세기를 흘려보낸 프랑스의 옛 도시로 달려왔습니다. 프랑스 남동부의 도시 아를르. 이곳에서 장립과 만났는데요. 이웃과 농담을 즐기고 표정 가득 유쾌함이 넘치는 이 사람. 그는 요리사입니다. 미식의 나라 프랑스에서 자연주의 요리의 거장이죠. La cuisine n'est qu'une chose, elle est universelle. La cuisine, si elle est bonne pour l'esprit, elle est bonne pour le corps. Elle va être bonne pour le visuel, elle va être bonne pour l'émotion, pour le partage. Et ça, aujourd'hui, quels que soient les pays dans le monde, on est tous d'accord sur cet acte-là. On cuisine pour les autres, on partage l'amour pour les autres. Et à chaque fois qu'on partage un petit morceau d'amour, on reçoit plein d'amour, on reçoit plein d'amour, on reçoit plein d'amour. 특이하게도 장릭은 빵 반죽의 모양을 잡을 때 덧밀가루를 뿌리지 않고 올리브유를 쓰네요. 조리 시간을 최소로 줄이면서 신선한 재료의 맛을 살려내는 요리사. 요리는 일종의 예술. 접시는 예술가의 캔버스가 됩니다. 그의 손끝에서 야채 스프도 꽃처럼 화려합니다. Sur le tapis, 빠르고 정확한 그의 손이 접시 위를 지나가면 어느새 먹기 아까울 정도의 그야말로 작품이 탄생하죠. La définition de l'assiette, l'architecture de l'assiette n'est que issue du goût fondamental. Si effectivement le goût est au rendez-vous, l'architecture culinaire vient se poser. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qui est bon pour l'esprit, est bon pour le goût, est bon pour le visuel. Donc effectivement, nous recherchons le meilleur du goût qui devient naturellement une architecture donc visuelle. On ne peut pas faire le contraire. 요리는 곧 그의 삶과 정신. 모든 것이 그의 요리에 영감을 불어넣습니다. 이곳 프로방스의 색감과 지중해 햇살을 그대로 음식은 자연을 담아냅니다. 거장의 음식을 기다리는 것은 또 하나의 즐거움인데요. 금방 만들어 소비되는 것이 아닌 음미하기 위해 준비된 사람들. 기다림도 일종의 요리죠. 지휘자의 손끝에서 일사불란한 주방. 그것은 손님에게 음식을 나르는 종업원들도 마찬가지입니다. 절도 있는 몸가짐으로 레스토랑의 품격을 높입니다. 골목을 끼고 나란히 두 개의 식당을 연 장미. 한켠에는 소박한 가정식을 내는 비스트로를, 다른 한켠에는 한 번에 17개의 요리를 맛볼 수 있는 고급 레스토랑 아틀리에가 있습니다. 프랑스어로 아틀리에는 공방이라는 의미인데요. 이곳은 그에게 맛의 실험실입니다. Le cordon là. Faites-moi passer le cordon sur le tapis déjà ça protégera un peu là. Sur le tapis oui. Amenez-moi les deux tartines de pâte s'il vous plaît là. Il y a très très longtemps où on n'a plus besoin donc de se nourrir juste pour manger. Hormis malheureusement quelques régions donc dans le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on vient dans un restaurant, on vient pour voyager. Pour avoir un souvenir, pour retrouver une mémoire donc de goût, pour retrouver donc ses origines. Si je viens en France, j'ai besoin donc de connaître ce que l'on mangeait avant, ce qui était donc la première nourriture, ce qui était donc la première émotion. Lorsque je viens et si je vais en Corée, j'ai besoin de savoir ce que vous mangiez avant, pas avoir une culture mondiale donc du goût, avoir juste vos souvenirs. C'est ce que je
ramasse à la main, en caissette, préfermentation à froid. Il faudrait, absolument. 달팽이나 거위관이 아니라 주변에서 나는 자연 채소를 가지고 세계 최고 권위의 레스토랑 평가지인 미슐랭 가이드 스타 셰프로 인정받은 장릭 하바넬. D'accord. Appellation donc maximum 50%. Voilà. Depuis 2000, j'étais donc le premier chef au monde à être étoilé en bio. Donc en créant une philosophie sur des produits les plus précis, les plus sains qui puissent exister et que je puisse cultiver autour donc de chez moi. Ce qui impose une grande humilité, une très grande discipline par rapport aux produits. Les produits que je prends tous les jours sont servis sur le moment. Je n'achète pas la veille pour servir le lendemain. Je prends, je regarde, j'analyse et je sers pour vous.